Et rebonjour à toutes et à tous, on est toujours avec le chat Twitch, on est 22 actuellement, merci beaucoup à vous d'être présents. On continue sur le let's play de Plague Tale Innocent. Elle est plus du tout innocente là maintenant, elle tue les gens, il n'y a plus de pitié, hein. Elle est en mode vénère, on va y aller, hein. Et bienvenue à toi Maxime. Du coup, là qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la porte est là! Je ne l'avais pas vue. On y est. Lucas, derrière cette porte, je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mon Dieu, Oh! est-ce que c'est réel? Ma maison. Innocence, pas innocente. C'est encore là-bas? Non. Je joue sur les mots, Non, Mr. par Freeze. pitié. Amicia, on peut s'arrêter, trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. Il doit avoir quoi? Ah, tu dois voir ça. Ah bah non, le titre, c'est le titre. Est-ce que c'est ton père? Mais what? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent les torches! Non, ça n'y faire sur le tapon. Qu'est-ce qu'on fait? Il est où? Il est où? Comment on fait? Viens avec moi! Est-ce que c'est fini? Je sais On pas. dirait. Tu nous as sauvé la vie. On fêtera ça plus tard. Ouais. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. Vas-y, oui, donne-moi la torche. D'accord. Toi, tu Je sers vais nous à rien. guider. Merci. Alors. Voyons voir. Posons la torche. Bon, bah, papa, t'es mort. Hein. Ah, papa! Ok. On a failli mourir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok. Ok. Reprenons du loot encore. Le loot, c'est la vie. Tellement horrible. Ce cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends, oui, les Pourquoi il gardes tourne l'ont autour? dévoré, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais, la brisure, Pourquoi il son n'est pas remous mangé continue lui? de se propager dans le temps. C'est quoi la brisure? Bizarre comme nom n'empêche. Brisure. Tu comptes le one shot? Ouais. Allons voir par là-bas. Elle aussi? Oui. Il Ouais. les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Madre de Dios. Ah, des loots. C'était à ton père? Oui. Du temps de ses guerres aux côtés du roi Philippe. C'était un grand chevalier, alors il ne sera pas oublié. Mais c'est quoi tous ces rats là? On y est. C'est là-haut. Ah mais il y en a tellement. Hop, du loot. Ok. Viens, je vais te faire monter. J'arrive. C'est la maladie. Ok. Brisure, la maladie. Ok. Oh, Ah. attention, on dirait qu'ils convergent tous ici.
Est-ce qu'il y a du loot? Ah, pas du loot. Vers sa chambre. Ok, comment on fait? Les potions pour Hugo doivent être là. Tu veux aller par là? Ok. Du loot. On prend le loot avant tout. Le loot, c'est la vie. Ok, est-ce qu'il y a encore du loot ici? Il y a encore du loot. Oh, mais je me gave. Allez, regarde là-dedans, toi. Lucas, tu as vu ces pots? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Pour le gras, c'est la vie. Alors, on y est. Oui. Presque. La Allez, viens avec moi. Allons-y. Intact. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Oh, non, Lucas. Rien à voir. Oui, Kaamelott, la ref. Non, c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non. Tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Non, ça me dit rien. Un opus magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y. Sérieux, je suis monté pour rien, là? Maman, si t'es pas morte, je vais te tuer. Ouvrons la porte. Ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Ah, on peut pas rester là. Oh, fuck. Oh fuck! Attends. Est-ce que je peux pas loot là? Ok, viens par là. Ouais, c'est ça. T'as raison, vas-y. Ouvre un chemin, ouais. Ok. Allez, viens par là. Ils sont où? J'ai ouvert la voie, mais si on doit y aller. Ah. Ouf. Allez, passe. Je t'ai persuadé que j'allais me faire avoir là. C'était une lutte. Avance, ils peuvent revenir. Amicia, j'ai peur. Je suis là avec toi. Allez, il faut continuer. On fait 0 fois 0 fois, c'est fou. est-ce que... Moi, je vais m'en refaire un ou deux. Oh, mon c'est Dieu. Un peu trop tendu, là. C'est encore pire que ce que je pensais. Tout est mort. Les thermes, ils sont où? Wow. Là-bas, à l'autre bout. Bah, comme par hasard. On doit traverser ça. Mais... Je sais. On va y arriver. Oui. Easy peasy. Une fleur. Ah. Intact. Bien sûr, on n'a que ça à faire. Je me la mets dans les une cheveux aussi. Une feuille, je crois. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Bah bien sûr. Faisons ce que Hugo veut, tiens. Alors. Où est-ce qu'on va maintenant? Hop. Prépare-toi à courir. Oui. Allez, c'est parti. On avance, allez. Mais on avance par où là? Ah! T'es mort ou quoi, gamin? Mais non! Lève-toi, gamin! Gamin! Tu veux voir ma culotte? Lève-toi! Il s'est fait tuer! Mais tu clignes des yeux, t'es pas mort, allez, debout! Bon bah allez, sautons joyeusement dedans. Mais c'est quoi ce truc là?
Il était pas mort. Il était par terre, le machin, il cligne des yeux. Il bronze. Allez, prépare-toi à courir. Tac, voilà, ça y est, j'ai allumé les deux. Là, on est bon, là. Hop. Alors, voyons voir. On va aller ici. On va en fabriquer d'autres d'abord. Très bien. Hop, hop, hop. Voilà, c'est parfait. Allez, rate-toi. Merci de ton soutien. Mais quoi ? Allez, viens par là. Mais viens. Allez, viens là, gamin. Mais punaise, mais qu'il est con ce mioche. Mais qu'il est con ce mioche. Suis-moi. C'est bon. T'es complètement honteux. C'est pas vrai. Ok. Une rivière. Une ah bah tiens. C'est le seul chemin vers les termes. Ça a validé le point. On allume le feu et on le pousse et... Non. Je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Ok. Moi tout seul. Ouais ouais vas-y. Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? Allez, Lucas, on y va. Allez, vas-y, Lucas. Pousse. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Lourd. Allez. C'est pas grave, boss. Allez, gamin. On est fort. J'ai passé ma vie à étudier dans une cave. Le sol vibre. Oui, ils arrivent. Ne laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fonde... C'est bon. J'ai compris. M'en occupe. Il est où? Ok. Encore un. Oh là 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 là. C'est où? Ouah, c'est tellement juste. Je ne peux pas mourir ici. Non, moi non plus. En poussant un chariot. Tu ne vas pas mourir, Lucas. Personne ne meurt avant qu'on ait atteint ces terres. Comme si on pouvait décider. Depuis qu'on se connaît. Allez, vas-y. Nos vies sont guidées par le chaos. Dommage, on peut pas compter le nombre de morts. Il n'y en a pas beaucoup. On va aller compter sur le let's play. Où c'est? Vous ne nous arrêterez pas. Dégage. J'ai mal aux jambes. On approche. Accroche-toi. Je fais. 4, il m'en reste, c'est bon. 4, c'est bon là. Ça passe. Amicia, j'ai réfléchi. Je crois que... J'ai la diarrhée. Toutes ces attaques, c'est pas trop le moment là. C'est parce qu'on est sur la bonne voie. Oui, mais il faut encore compter jusqu'au bout. Ah, pop, pop, pop. Mais lâche-moi. Mais j'appuie, ça me rouffe. Ça me rend ouf. Très bien. C'est bon. Alors. C'est pas vrai. Regarde ça. Ok. Une rivière. Vous voulez jouer? On va jouer. C'est le seul chemin vers les termes. Attends, le chariot. On rallume le feu et on le pousse. Vas-y, pousse son chariot. Je toi, tu le pousses. Quoi? Voilà. Moi tout seul. Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'il on avait réussi là. Allez Lucas, on y va. On était bon là. En plus, à la fin. Mais oui, mais complètement, le jeu, il troll. Lourd. Allez, juste un effort. Juste un effort. J'ai passé ma vie à étudier dans une cave. Le sol vibre. Tu sens? Oui, ils arrivent.
Allez, bim. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde, c'est bon. J'ai compris. Je m'en occupe. Mais non! Oh, papa! Quoi, ce délire? Reste avec moi, poulet. Je vais rester devant. Putain, mais... Vous ne nous arrêterez pas. Non. J'ai mal aux jambes. On approche. Accroche-toi. Je fais tout ce que je peux. Mais oui, ça le fait, là. La lumière là-bas. Les termes. On y est presque, les gars. Amicia, j'ai réfléchi. Je crois que... Tu crois que rien du tout, mec. Toutes ces... Ah oui, c'est bon. On y est, Lucas, on l'a fait. Merde, il est mort. Ah non. Merci. Merci, Lucas. Tu vois, t'es sacrément costaud. Mais je crois pas que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein? Ouais, ça... Non. Allons-y. Ok. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par là? Du loot! Ces marches, ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Du loot. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On est trois, hein. Je compte aussi, moi. Ok. Des pissenguis. Il y a plein de loot. C'est bon, ça. Pourquoi tu pousses ça? Explique. Mais viens là! Bon. T'es fait manger. Fallait pas. Ok. Putain, mais le truc, il fait des trucs. Ma mère refusait. Ah, elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Là, vous attaquez pas, je pousse le truc, vous me sautez dessus. Sérieux? On est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. Oh, on va trouver. C'est pas possible, ça. Pas possible. Bien sûr, je fais exprès, hein. Faut donner de la durée de vie au jeu, sinon j'aurais déjà fini. La mauvaise foi. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Ah. Et nous non plus. Ok. Est-ce que je peux? Comment je vais faire pour les virer, ces conneries là? Je peux pas sauvegarder. Hein. Est-ce que je peux tirer là-dessus pour les attirer sur le cadavre? Pousser ça et passer. On va essayer ça. Odiloris là, hop. Les rats, Amicia. Si elle se passait de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Viens m'aider. Ah, vas-y. Très bien. Pousse-toi.
Bien. Maintenant, on fait comment? Ça se trouve, il y avait une torche à prendre, un truc comme ça, et j'ai tout foiré, là. Là, il n'y a pas de truc. Ok. Bon, bah, on va le passer en bourrin. Allez, hop. On y va. Ça, c'est le Sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde, ces sculptures! Quoi? Les animaux alchimiques! Putréfaction, purification, amalgamation et sublimation! Et ce symbole... Salut à Arovski! Ces symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures, il y a du feu là-dessous. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Ok, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Le serpent, il m'a causé quelques cauchemars celui-là. Ok, le lion. Le lion. Oh, y'a pas le truc de lion qui mange un arbre ou je sais pas quoi? Imposant et gracieux. Ok, et ça c'est quoi le crapaud? Le crapaud, toujours aussi moche. Ok, alors, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le trip? Non, je peux pas utiliser ça. Je peux pas utiliser ça. Et là... Qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus? Compliqué. Ah, attends. J'ai cru voir briller là. Non, c'est les reflets. C'est les reflets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a une aide quelconque? Les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu. Hein? Mais Nol! Oh, il manquait plus que ça. Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, ça pue. Allez! C'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça? La lumière. J'attends près des bassins. Hop. Ouais. J'aurai pas le temps. Je me doute là. Ok, juste je regarde un petit peu ce qu'il y a par là. Ok. Ah. Donc, première à gauche. Et pas à droite. Première à gauche. À droite. Hey, je ne te vois plus. Il n'y a rien par là. Ah, c'est pas par là. Ok, donc on va essayer de l'autre côté. Ça, ça sent pas bon, ça. Ah là là, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Mais... Oui, je reviens. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit avoir un truc à faire, c'est pas possible. Forcément un truc à faire. Peut-être éventuellement il faut peut-être foutre le feu à un truc pour passer ou. Non, c'est par là. D'accord. Ouais, bah dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Tu vois quelque chose? Le symbole est apparu. C'est la sublimation. Il reste encore un symbole. Mais lol. C'est tellement tendu. Putain, faut avoir de la chance en plus sur le passage. Tu approches de l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. Oui. La purification. Ok. Tu peux revenir. Je peux revenir. Faut que j'arrive à sortir d'ici. Ouais. Merci Lucas. Continue de me parler. Donc je vais refaire le même chemin dans l'autre sens alors. Je me retrouverai là. Ok. Le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein. C'est ça le pire. Allez. Rien de tout ça n'a l'air réel.
Ah, demi-tour. Il fallait que je me baisse, j'ai pas été assez rapide. On recommence. Putain, si je passe du premier coup sans mourir, je suis content. Hop. Vas-y, baisse-toi. Passe par-dessus. Ok. Vas-y, maintenant, on remonte. Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapauds, cygnes, serpents sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Ok. Dans sa gueule, peut-être? Aidez-nous, mère. Vas-y. Mais pas la tête dedans. Tu vas percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. GG! Ça sent le wipe. On n'y voit rien ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Ok. Très bien. Vas-y, éclaire tout, gamin. Qu'est-ce qu'on a ? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Okay. Bien. Bien. C'est un arbre généalogique? Ouais. On dirait celui de ma famille. Amicia, il avait disparu. Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant dans les bras de sa mère. Le loot, d'abord. Ces marques sur son torse, Lucas. La prima macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Qui sait? Sanguinis itinera, les voyages du sang. La macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Ça, il va y avoir un truc à tourner, cette ça. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. J'espère qu'il fallait pas une clé. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi? Lucas! Parfum l'absinthe! Incroyable! Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. Le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir? Avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe! Tu l'as pas cassé, j'espère. Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. Quoi? Tu vas retenir quoi, là? Oh, c'est pas vrai! Pourquoi maintenant? Lucas, il faut accélérer! Je lis! Ta mère s'est arrêtée au pas de la porte du soleil. Elle a trouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens! Ce sont des symboles! Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse ». Béatrice se trompait! Il ne faut pas ajouter, mais retrancher! Trouve-moi du macérat, pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Macérat? Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. L'alcôve avec le rideau. Là-bas? Allez, tu calmes. Laurentius disait, t'en perds les battements de ton cœur, car c'est lui qui œuvre à travers tes mains. Alors, t'en perds-toi. Ici, là? L'alcôve avec le rideau, c'est ici? Où est-ce que c'est? Voyons ça. Lucas, le mécanisme. C'est le même que celui du château d'Ombrage.
Ok. Je te dis, ce n'est pas un hasard. Mais non, hop. Je suis là. Mais non, j'étais devant le truc, il y avait un petit rat par terre, fallait shooter dedans. Pourquoi maintenant, Lucas, il faut accélérer. 16 ou 17 heures de live, peut-être, Craig. Ah oui, GG à toi. Ça n'a aucun sens. Incroyable. Ce sont des symboles. Bon. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre on dit va... tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse. Ah, vas-y, on va regarder où est-ce que c'est. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat? Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. C'était de l'autre côté. Ok. Vous savez quoi? On testera ça pour le prochain épisode. Des bisous YouTube. Ciao, ciao.